Eh bien bonjour, dans le cadre des petits ateliers Photoshop, nous allons réaliser cet effet de feuille en, je dirais un petit peu en fractal. Donc pour ce faire, nous allons tout de suite ouvrir un nouveau document. Je le mets en 1280x720 format vidéo, c'est un format que j'aime bien travailler. Voilà, ok. Je vais ouvrir. Alors je vous la laisserai dans un fichier joint aux commentaires. Je vais ouvrir donc un petit fichier PDF feuille. Enfin, c'est une feuille d'orme. Je vais descendre, vous voyez, hop, comme ça, le tableau. Et je vais pouvoir récupérer le calque qui est ici de ma feuille et le placer ici. Voilà. Ça, soit je le ferme, soit je le, hop, réaimante là-haut. Voilà. Et je reviens sur mon doc. Bien. Nous avons une feuille. Je vais créer une ellipse. Juste pour un repère. Donc, je vais créer une ellipse. Je vais faire un clic gauche, normal. Tac. Et je vais créer une ellipse de 50 pixels par 50 pixels. Voilà. Ok. Donc, j'ai une ellipse. Et j'ai ma feuille. J'ai sélectionné. Bon, je vais pixeliser ma feuille. Comme ça, on sera tranquille. Voilà. Je vais sélectionner ces deux calques. Sélection. Tout sélectionner. Aller sur ici le déplacement. Et j'obtiens ici là le symbole de centrage au niveau horizontal et au niveau vertical. Voilà. Ainsi, j'ai centré mon petit ma petite ellipse et ma feuille. Sélection, désélectionner. Ok, je vais donc prendre ma feuille, tac, la placer au-dessus, voilà, et je vais la placer ainsi. Ok. Je vais la dupliquer. Donc je tire, je sélectionne ma feuille, je la tire jusqu'en bas, tac, dupliquer. Ok. Et je vais lui faire une rotation. Donc, édition, transformation, rotation. Je vais lui faire une rotation de... ici, vous voyez, on a le symbole des angles. De 25 degrés, je vais voir ce que ça donne. Alors, voilà l'erreur qu'il ne faut pas faire. Je vais annuler. Je veux la faire tourner, mais sur elle-même. Donc, pour ça, je vais faire retourner sur édition, transformation, rotation. Mais pas par son centre, voilà, mais vers le, voilà, le milieu bas, de façon à ce qu'elle tourne tout en restant avec le pied là de la feuille, enfin la tige de la feuille ici centrée. Je valide. Attends, je vais faire édition, transformation, rotation. Je déplace donc mon centre ici. J'aurais pas besoin de le faire 50 fois. Voilà, et maintenant je vais pouvoir mettre une rotation avec un angle, je vais dire, de 25 degrés. Et vous voyez que là, maintenant, elle tourne bien sur la feuille, sur la tige, je veux dire, et je valide. Voilà. Et bien maintenant, je vais redupliquer mon calque, toujours en prenant le dernier celui qui est en haut. Et je vais faire CTRL majuscule T. CTRL majuscule T. Je vous explique pourquoi. Parce que je vais dupliquer ce calque. Et si je fais édition, transformation, rotation, vous voyez qu'ici j'ai répété. Alors je peux cliquer sur répéter. Ou travailler directement avec mon clavier. Majuscule, CTRL T. Et bien c'est ce que je vais faire. Majuscule, CTRL T. Bien, donc majuscule CTRL T et je duplique. Enfin, je répète ma rotation et je recommence. Je duplique ma feuille. Majuscule CTRL T. Voilà. Encore. Voilà, et j'automatise un peu comme ça. Voilà.
je pousse vers le bas là pour la dupliquer. Majuscule CTRL T, je vais faire un cercle complet avec mes feuilles. Voilà. Tac. Bien, vous avez compris la manœuvre. Donc, et une dernière, allez pour la route. Je sais pas si ça vaut le coup, je vais voir ce que ça donne. Oui, là j'ai fait une erreur, j'ai bougé l'ellipse. Tac, majuscule CTRL T. Voilà. Et j'ai fait mon cercle de feuilles. Ok. Donc je vais sélectionner. Enfin, je vais d'abord créer un groupe de calque, voilà, groupe 1. Je vais prendre toutes mes copies marquées orme, copie, machin. En maintenant la touche majuscule, je les sélectionne tous, voilà, et je les glisse dans le groupe. Il faut qu'elles apparaissent dans le groupe. Voilà. Mon groupe est composé de toutes ces feuilles. Je vais dupliquer ce groupe. De la même manière, regardez, hop, on le pousse là. J'ai donc, je peux le renommer groupe 2, ça sera plus simple. Ok, ce qui fait que j'ai deux groupes. Sur ce groupe, voilà, je le sélectionne. Je vais appliquer édition, transformation, homothétie. Et je vais réduire à 80 en hauteur et en largeur. Attention, pas 800, ça va faire beaucoup. 80 et 80 ici, là dans largeur et hauteur. Ce qui fait que j'ai réduit mon groupe. Voilà. Et je peux recommencer ainsi. Tac. Groupe 3. Ok, je le sélectionne. Édition, transformation. J'aurais pu même faire répéter, voyez, tac. Et voilà. J'ai même pas besoin de retaper 80 et 80. Je reprends, voilà, j'en fais une nouvelle copie, je la renomme groupe 4. Et ainsi de suite, hein. Vous avez compris la manœuvre. Et je fais pour la fonction de réduction d'échelle. Je peux recommencer, majuscule CTRL T, en sélectionnant bien entendu mon groupe, sinon ça donne rien. Voilà. Et ainsi de suite, on peut faire comme ça du fractal, c'est-à-dire de la reproduction à l'infini du même thème. On peut après s'amuser à déplacer nos groupes, à les colorer de façon différente, à en faire ce qu'on veut. Ici, j'ai pris des feuilles, imaginez que vous pouvez prendre n'importe quel objet, n'importe quelle image, n'importe quelle forme, et vous amusez comme ça à reproduire à l'infini, après avoir fait une rotation, votre objet. Bien sûr, chaque groupe est déplaçable, hein, voilà, et on peut s'amuser aussi comme ça. Donc on va faire édition, annuler déplacement pour le remettre à sa place. Voilà un petit exercice facile qui vous permettra d'appréhender les groupes. Autre chose, si je veux changer mes couleurs, voilà, groupe, image, réglage, vous voyez que là, je n'ai pas la possibilité d'aller chercher les réglages d'image. Mais par contre, je peux aller chercher ici, teinte saturation, balance des couleurs. Eh bien, essayons balance des couleurs et ainsi changer. Voilà, pour donner un ton plus automnal. Ok. Voilà, et on peut en remettre un autre en mettant luminosité contraste, par exemple, pour foncer un petit peu ou rajouter du contraste. Voilà.
Et vous voyez qu'en étant au-dessus de tous les groupes, ça s'adresse à tous les groupes. Tout le réglage se fait en même temps pour tous les groupes. Voilà un petit exercice rigolo qui peut vous permettre de créer des choses assez sympathiques. Bien, je vous dis au prochain atelier. Salut à tous, bonsoir.